Voici l'humeur de Nora Hamzaoui, messieurs. Bravo. Merci, merci. Eh ben, il y a quelques semaines, moi aussi, je suis allée à un mariage. Tous mes potes s'en plaignaient. Oh là là, c'est loin, va falloir trouver un costume. Et puis la messe, ça me gonfle. Et à quoi ça sert d'officialiser son amour? Attends, moi, ça m'a saoulée. J'étais là, vous allez arrêter de vous plaindre et d'être cynique pour une fois qu'on va pouvoir bouffer gratos, merde. Enfin, je... Ah non, et moi, ça, pour ça, je suis toujours ravie. Je suis à fond. Un mariage pour quelqu'un qui aime la bouffe, c'est un peu comme un vernissage pour un alcoolique. C'est l'occasion d'être soi-même, l'air de rien. Un énorme kiff. On a tout ça dans un joli cadre. En plus, moi, j'étais ravie. Ah bah, dès les préparatifs, j'étais à fond. La mariée était là. J'ai choisi ma robe, mais je sais pas, toujours pas si je m'attache les cheveux ou si je les lâche. Là, ouais, super. Et le traiteur, vous l'avez choisi. Ou pas très clair, parce que là, vraiment, je crois que le pire, c'est les futurs mariés qui te répondent « Oh, tu sais, nous, la bouffe, c'est pas notre priorité. » Ouais, enfin, ok, t'es 240 invités, c'est quoi, c'est pas notre priorité. Non, mais on rêve, et nous, on repart pas avec une bague, hein, à la fin, donc on se calme, tu vois. Bref, on a fini par arriver sur les lieux après 3h10 de route, alors que ma pied indiquait 1h50. Faut dire que les mariés ont toujours le don pour choisir des endroits paumés comme tout. On avait envie d'un truc isolé, loin de tout. Ça aussi, c'est d'une lourdeur, sérieusement. On avait envie, tu sais, à croire que c'est leur journée, quoi. Insupportable. Tout le trajet, on stressait d'être à la bourre, mais on espérait secrètement louper une partie de la messe, tu vois. Enfin, secrètement. Mon pote Thibault à l'arrière était carrément cash avec ça. Avec un peu de chance, on arrivera pour le vin d'honneur. Franchement, personne ne va remarquer. Bon, on est arrivé dans les temps pour la messe, mais on n'a pas eu le temps de passer à l'hôtel pour se changer. Enfin, à l'hôtel, au gîte. Ouais. Du coup, on était tous là à se changer vite fait entre deux bagnoles. Et puis, t'es toujours ravi quand tu croises le père de la future mariée qui te grille en train de galérer à enfiler ton collant gainant accroupi derrière un arbre. Ah, vraiment, c'était super. Il a suffi d'un tout petit regard de sa part pour qu'en deux secondes, tu lises dans ses yeux ah, la voilà l'autre dépravé qui va finir seul avec son chat. Enfin, moi, bon, et puis on a fini par oui, j'aimerais qu'on parle de la longueur des collants une bonne fois pour toutes. Est-ce que c'est la normal que quelle que soit la taille que tu prennes, le truc t'arrive au sein? Je veux dire, il y a un problème, le truc est tirable à l'infini, c'est comme un gant magique. Ah non, mais ça, tu portes pas de collants? Tu parles plus en tout cas. Bref, la messe a commencé. Moi, évidemment, en voyant les mariés rentrer, j'ai carrément chialé. Et puis, en fait, très vite, je suis passée d'une émotion très très forte à une sorte d'ennui. C'est un truc entre l'ennui et l'hypnose. Un peu la même sensation qu'au collège après un cours de 2 heures sur les stalagmites et les stalactites. T'es là, bon, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais disons que j'ai compris quoi. Puis tous ces chants là, c'est pénible. Je suis ta brebis perdue la brebis. Tout le monde qui chante et toi t'es là. Attends, on aurait dit Chirac pour un Coupe du Monde 98. Il a fallu que je croise évidemment pour le la deuxième fois, le regard du père de la mariée, je dis, ça va, on n'est pas obligé de tous connaître tes paroles par cœur non plus. Tu vois. Après, on est tous sortis de l'église et les témoins nous ont filé du riz et des machines à faire des bulles. Là. Alors, si un jour je me marie, juste, enfin, je sais pas, et que vous êtes là, pour info, je n'ai pas du tout envie de machine à bulles ni de riz. Enfin, déjà, les bulles, c'est de l'eau, tu vois, donc vraiment, ça t'arrose. Et... Ah, oui, le riz, ça, je suis pas un pigeon non plus, en plus, ça attire les oiseaux. Non. Puis, c'est pas des miettes de pain, c'est du riz. C'est toujours un moment gênant, je trouve, quand tu vois tes potes souffler, tu sais, souffler dans le truc à bulles tout en essayant de te sourire et on souffle et on sourit en même temps. Non, c'est très embarrassant, ça me met mal à l'aise, moi, j'ai pas envie. Bon, alors évidemment, après il y a eu le vin d'honneur. Ce grand moment où les invités commencent à se bourrer la gueule pendant que les mariés font des photos embarrassantes dans une vieille bagnole de collection, alors que clairement personne n'a le permis. Et alors là, le vin d'honneur, un grand moment, le meilleur apéro de ma vie. Par contre, il faut vraiment que les traiteurs arrêtent de nous faire croire que tout se mange avec les doigts, sans serviette, sans couvert, sans rien, parce que même si c'est en forme de brochette, l'huile ça coule, tu vois. Donc à un moment, c'est pas possible. Je me suis donc évidemment retrouvée avec une énorme tache de gras sur ma robe et en essayant de faire partir le gras, j'ai formé une énorme auréole tout autour de mon sein gauche, tout en croisant le regard du père, de la mariée, toujours au bon moment. C'est là qu'une meuf avec un énorme chapeau arrive en me disant faut mettre du bicarbonate de soude. Vous n'avez pas de bicarbonate de soude? Du bicarbonate de soude? Ah bah si, toujours dans mon sac à main. Non, mais enfin, elle est folle ou quoi? Celle-là, c'est quoi son problème? Et toi, t'as ta yo-yo, t'en as pas un caché sous ton immense capeline là? Non, n'importe quoi. Enfin, c'est là que tu dis que le monde se divise vraiment en deux catégories de personnes, les gens qui portent des chapeaux et les autres. Non, mais les gens qui portent des chapeaux, ils ont un rapport au monde complètement différent. Déjà, ils pensent que les gens se baladent avec du bicarbonate de soude, tu vois, donc déjà, c'est absurde. Mais tu sais, c'est des gens qui portent des trucs qui veulent rien dire, genre des pashminas et tout. Et là, quoi, une pashmina, de quoi tu parles? Bref, enfin, non, mais on n'a pas dit pashmina depuis 92, non, je ne connais pas une personne qui porte encore une pashmina. Déjà, un pashmina, une pashmina. On ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est. C'est une étole, là, on ne sait pas. Bref, on est passé à table. Le moment où tu cherches ta table, c'est quand même un grand stress. Moi, ça me fait toujours penser au moment où tu cherchais ton nom sur la liste des résultats du bac. Donc, sauf que là, l'issue est quand même moins pire, parce qu'au pire, tu te fais juste chier. Et heureusement, je me suis retrouvée à la même table que mes potes. Et alors là, j'étais trop contente. Tu vois, l'idée de me prendre pour un jury de top chef à noter les 35 plats qui vont arriver, j'étais comme une ouf. Et là, on m'annonce quoi? Buffet. Non, mais la déception. Buffet à un mariage pour quelqu'un qui aime la bouffe, non mais c'est comme un vernissage, on expliquerait un alcoolique qui a juste du jus d'orange, c'est un énorme bad. Alors évidemment, il a fallu que j'exprime cette pensée à voix haute en me plaignant à mon pote Thibault, et c'est là que j'ai croisé une dernière fois le regard du père de la mariée. Merci, bravo. La bande originale, lundi, sur France Inter.